Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Kai et on se retrouve sur Tropico 5 pour la suite de notre campagne. Donc on a décidé de continuer la campagne, on va construire la maison de mode histoire de pouvoir retourner dans le temps et sauver le monde du projet jour 0, voilà. Oui c'est compliqué, bref on s'en fout, c'est pas grave. Ouais, c'est j'ai pas d'uranium qui est produit. J'ai pas de mine d'uranium. Non, c'est mine au charbon, ça. D'ailleurs, quand même, les mecs, vous forez près d'un volcan. Hein. Donc là, faut continuer à... Ils sont chiants quand même les pauvres. Alors file des maisons à bas prix, qu'est-ce qu'ils font? Non, je vais rester dans les cahutes là. On a besoin de tellement de travailleurs en plus. Natif 47. Natif 47 quand même. Il y a besoin d'employés lettrés. Mais merde les gars! Venez! Tous les illettrés, les inactifs là, on a besoin de vous dans les champs là. Venez bosser! C'est quoi faire? On va leur trouver un moyen de les forcer à bouger, voilà. Pas de repas gratuit, voilà. Voilà, promulguer ça. Wunderbar! Nous devons maintenant mettre au point mon condensateur de flux. C'est lui qui rend le voyage dans le temps possible en bloquant l'écoulement naturel du temps. Concentrer nos efforts, d'accord. Produire des recherches en moins de 20 ans. Oh, j'ai pas le mot. Wunderbar! Nous devons maintenant mettre au point mon condensateur... Il faut accumuler des points de recherche. Ok. Il va produire des points de recherche et tout, hein, les gars. Non, parce que vous voulez cliquer. Inventeur, voilà. On va construire également tout ce qui produit la recherche. Des travailleurs, histoire de... On va mettre main verte, voilà, histoire de... augmenter la beauté des paysages voisins. Voilà, hop. Bon, la beauté est très moche, je sais, par ici, la plupart du pays est moche. Bon, allez, il va falloir toujours plus de quoi, de centrales électriques. Toujours plus de centrales, on a vraiment besoin de centrales et de bâtiments énergétiques. Il faut engager plus de gens. Invite aux illettrés. On a besoin de deux pour faire de la bouffe et nourrir le pays. Allez! C'est toujours moins... Putain, il est toujours passé. Mais je me casse le cul à créer des hôpitaux, des hôpitaux partout, regardez ça. 122, 161, ils sont pas encore complets les hôpitaux d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va construire plutôt ailleurs alors. Faut des soins sous un qui vivent à proximité. Et là, regardez ça. Me passer dans une bibliothèque. Voilà. Les points de recherche, ça augmente, ça y est. Bon. Présidente, je crois qu'il est temps que nous remportions le prix Nobel de la paix. Ce serait un grand honneur pour Tropico. D'après ce que j'ai pu constater, le prix Nobel est accordé à celui qui déclenche le plus de guerres. Trop facile. 10 bonnes tirs militaires, j'en ai 3. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Allez, Primo, on va se construire un gros porteur. Voilà, ça va impressionner les gens. Déjà, premièrement. On construit des bases militaires et des chars d'assaut, voilà. On les construit un petit peu, on est à l'écart. Histoire que les gens sachent que c'est là, mais que ce soit pas trop visible non plus. Réduire les chances d'invasion étrangère, bah oui, ça oui, on va prendre. Voilà, on va construire un petit peu du bâtiment militaire. Et puis, c'est la classe quand même, non? Fais monter, les pilotes peuvent tirer même si les missiles risquent d'endommager les bâtiments ou les civils. Voilà. Dégâts sous côté rouge, m'en branle totalement, hein, je veux dire. J'aimerais peut-être un petit peu construire aussi des docks histoire de faciliter l'exportation. Histoire de servir de bel et de comité d'accueil. La caserne, voilà, hop. Avec une travail étranger, voilà. Mine de fer automatique, plus justement épuisé, non. On a encore du fer, énormément de fer. C'est de l'uranium. Évidemment, au fond de l'uranium. Qui dit uranium dit forcément centrale nucléaire, histoire qu'on puisse. Développer rapidos. Brise-roche effectivement pour pouvoir augmenter la quantité de ressources disponibles. Arrêtez de casser les couilles les gens, on est pas content. Ils gueulent dans le palais, vous allez voir cela, ils vont plus gueuler longtemps. Hop. Les gars ils sortent, hop. Je ne peux pas changer les lois de la physique, Présidente. En tout cas, pas sans électricité. Présidente, nous avons un petit ennui. Les gisements d'uranium qu'il y a sur l'île interfèrent avec le... C'est l'uranium. Électricité, voilà. C'est résolu pour la production. Écoutez, Présidente, c'est un sabotage. Je ne peux pas le supporter. Je sais que Herr Kane a tout planifié. Contre les tours de sécurité. Oh, tour de garde. Oh là là. Bon. Construire des tours de garde, voilà, il faut des tours de garde. On va mettre ça. Ici. Près de mes centrales également. Également, où est-ce qu'on a des postes de garde ici? Près de l'ambassade de recherche. Voilà, par ici. Voilà, hop. Débrouillez-vous maintenant pour que ce soit fait. Seize mois, putain. Et pour l'eau chaude, encore pire.
Voilà, hop. Donc ça, ce sera fait. On va construire également pour la recherche, on va construire également université, lycée. On va construire d'autres lycées. On va les construire ici pour inciter les pauvres à se bouger le cul. Parce qu'on sait que les pauvres c'est toujours des grosses feignasses et puis qu'il y a du déterminisme social. Mais bon, si on peut les inciter un peu à... Si on peut inciter quelques-uns, ne serait-ce que quelques élèves, à devenir efficaces et à se bouger le fion. Moi je dis oui. Un autre lycée qu'on va construire. Par ici, venez vous voir. Le toit de gare, c'est construit ou pas ça? Il y a tellement de trucs aussi que je suis en train de construire aussi, c'est normal que. Soit en mode. Ouh. Une base militaire par ici, ça va calmer les gens. Là il manque quoi? Il manque. Oh je suis quoi mon con, je construis de l'électronique au mauvais endroit. Gaspillage absolument pareil, c'est horrible. Allez, tour de garde plus vite, schnell! Est-ce qu'il y a des gens qui habitent. Putain, y'a personne qui habite là. Je crée des baraques, et non, 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 c'est vide. Est-ce qu'il y a beaucoup de sans-abri ou pas? Travail. Plein de quoi? Il n'y a plus beaucoup de chômeurs, regardez ça. 21 chômeurs sans abri, bon, il y a toujours. Alors qu'il y a des baraques. Santé, c'est toujours pourri. Bon. La santé sera un problème qu'il va avoir, c'est tout. Cette semaine, les rumeurs portent toutes sur la recette secrète que nos savants concoctent pour faire de l'énergie à la centrale nucléaire. Certains disent que l'ingrédient secret est l'uranium, d'autres le polonium ou même le thorium. Personnellement, je fais les choses comme mon ancien petit copain Chuck me l'a appris. Je scinde les atomes à point nu au lieu d'utiliser un réacteur hors de prix. Mais bon, chacun s'amuse comme il veut. Les élections approchent, président. Toujours moi, je suis le dictateur absolu. Les militaristes ont été impressionnés par votre audace. Et ils veulent vous offrir quelque chose pour vous aider à continuer dans cette direction. De mettre mon militaire gratuit? Ouh. Pas mal. Progrès spatial déjà. Ouf, ça coûtait un peu du cul ça par contre. Une prison. Prison perdue ici. Vous savez, c'est la prison qui est perdue, qui est paumée ici au milieu de la jungle et puis si cassé pied on les revoit plus jamais, les gars. On va se prendre également comme de baisser nos militaires gratos. On va se prendre. J'ai consommé au maximum. Et une grosse base militaire, voilà. Histoire de dire voilà. Nous c'est l'armée ici, faites pas suer. Il va également se construire un petit programme spatial pour rechercher des. Pour générer des pro. Oui, base spatiale. Pour illuminer le soleil, le ciel tropico.
Voilà, hop, c'est très très moche les routes, je m'en moque. Qui est-ce qui est pas content? Qui est-ce qui gueule? C'est pas le chômeur qu'on pourrait virer. Et toi, t'as pas de travail, tu casses les pieds. Bonsoir. Et 641 balles, voilà. On a récupéré un petit peu d'argent et on a viré un gars qui était pas content. Tiens, t'as pas de boulot, tu regardes. Tropico. Non d'une grosse araignée tropicale, présidente. C'est la crise. Il faut agir vite. Quoi? Qu'est-ce qui casse les pieds, les gens? Je fais tout ce que je peux pour eux. Je booste à fond les hôpitaux. Je construis un max des hôpitaux. Le logement, je me dérive pour essayer de monter ça. Divertissement, je fais tout pour eux. Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que je fasse d'autre pour ces guignols? Pour ces gens qui sont jamais contents? Je construis un hôpital ici, regardez. Allez. Comment parler qu'ils vont pas être contents, vous allez voir. La série, les gens sont jamais contents, je demande les tropiques. Hein. Donc, est-ce qu'on peut fourguer des trucs, du pétrole? On peut fourguer. Oh, du cacao aux États-Unis? Assis au Moyen-Orient. Il faut 60 avec ses cons, putain. Bon, allez où l'ambassade, c'est trop du cul. Voilà. Amélioration de l'opinion avec ces cons là. Qu'est-ce qu'on leur fait également pour leur faire plaisir? Oh, saison métro, pourquoi pas? Hop, on va faire des saisons de métro un petit peu partout dans les villes. On va pouvoir hop par ici. On va améliorer la qualité de logement, donc on va booster un petit peu la qualité de logement par ici. Également le parking pour améliorer le travail. Voilà, hop. Les docks sont construits, on a la forme pétrolière. Ouf. Pas possible de construire le phare là-dedans. Je me rappelle qu'il y avait un phare.
Voilà, ça va être joli, ça va faire vieux monument touristique en plus. Présidente, regardez donc ces lettres écrites en grands Toujours caractères. les petits Plus caractères. c'est écrit gros. Bon. Droit numérique. Internet libre, voilà. Mondialisation, secteur stratégique, donc plus faut pas déconner. Efficacité énergétique, voilà. On peut faire un. Voilà. Et voilà. Nouvelle amélioration de la constitution. Et je construis un bâtiment qui. Pour un spatial, voilà. Donc lui il est en train d'être construit. Putain, il va prendre trop. Il va prendre 12 000 ans celui-là. Oh! Très renforcé et mitard pour arrêter automatiquement les gens. Nous avons une chance Oui, pas besoin de d'influencer. tricher, voilà, on va gagner sans fraude. J'ai une idée brillante, présidente! Pas la peine de nous lancer dans des guerres foutues. J'ai une idée brillante. Soyez au combat? Oh putain, on s'est attaqué par je sais pas qui. Nous savons les résultats des On a élections. gagné. Et nous combattrons sur les plages. Allez, on va les massacrer. Peu volonté, voilà. Putain, les mecs sont bombardés. C'est tout ce que vous Les mecs savez se prennent quand faire. même, je rappelle, des missiles sur la gueule, putain. Mais battez-vous, bande de fiottes! Chargez! Votre règne prend fin. C'est tout ce que vous savez faire. Il y en a ici aussi, putain. Vous allez le regretter. Putain, les commandos, c'est vraiment des barbares, les gars, quand même. On va quand même construire, on va quand même modifier ça en pompiers, oui, caserne de pompiers, sort vite, vite, d'urgence. Dites-moi, vieille branche. Deux cathédrales, c'est fait. La communauté religieuse est très heureuse de vos actions, vieille. Des églises gratuites comme ça, on développera ça. Des églises gratos, donc reconstruire où des églises? Ici, vous allez voir, regardez. Un vieux quartier tropicaux, voilà, ça va faire vieux quartier, vous allez voir ici. Reconstruire deux autres églises, vous allez voir. Il y a encore les troupes d'élite qui sont en train de massacrer ici. Un blindé ennemi ici. Rendez-vous et vous serez épargnés. Bon, ils sont où les pompiers là? Les militaristes ont été impressionnés par votre audace et ils veulent vous offrir. Bon, oui, c'est bon, on va améliorer ça. Pompiers et central, voilà, j'ai dit. Et encore deux bases bâtiments militaires de plus, voilà. Base militaire, ça va avoir des chars, des blindés. Merde, voilà, c'est bon une fois, et bon, j'ai pas non plus envie de me faire exploser à chaque fois. Par chaque bataille. Allez hop!